Mais on peut le win, on peut le win. Battez-vous. Il nous attire dans un guet-apens. Je m'occupe de l'archer. Hein. Non, tu vas te faire avoir. Ce soir, la première c'est Bob Dogby et moi, donc vraiment les gros changers. Lourd. Ce soir. Ensuite on a Kamel, Bibi et Côté. Ensuite nous aurons Gotha, Mika et Lucio. La quatrième équipe c'est donc Dejna, Laxa TV et Henri. Et la cinquième équipe ce sera Skyheart, Shilxi et Nameless. Je rappelle les règles très rapidement, comme ça tout le monde est à la page. En gros dans ce mode là, le but c'est de récupérer les trois morceaux de Triforce et de les amener au Temple du Temps. Et ensuite la Triforce s'assemble et pendant ce temps là, tu dois défendre la zone quoi. Pour trouver des bouts de Triforce, vous devez crafter une boussole. Évidemment si un joueur ramasse un morceau de Triforce, la boussole indique du coup en temps réel la position de ce joueur puisqu'il a le bout de Triforce dans son sac à dos. Nous avons des classes dans UHC Zelda, chaque classe a un passif. Autre spécificité, vous avez à 4 endroits de la map un item légendaire. Dedans vous trouverez de manière aléatoire soit l'arc de lumière qui est un arc plutôt cheaté hein. Ensuite nous avons la Master Sword cet anglais parfait. Bref les gars, vous savez quoi, vous avez un putain de Google Dog. Voilà, vous me cassez pas les couilles, vous allez sur Google Dog, fait chier maintenant. Allez, on va lancer cette putain de game. Let's go. Focus. On va verrou, on va verrou. C'est nous qui allons gagner, tu le sens ou pas Dej? Ouais. Ok, je suis Gerudo, vas-y les gars, vamos. Pas, ah, on a aucune raison. Oh, c'est non, le modo, c'est le modo. Eh, je suis sûr que tout le monde s'est dit, oh, il y a une équipe qui est morte. Quoi? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait déjà des morts. Moi les gars, j'ai dû farm. Attends, j'ai eu un diams? Ah non, c'est un émeraude, ok. Ah non, mais je te jure que j'ai vu un truc bleu tomber, je me suis dit, attends, what? En fait, ce serait bien de savoir où est tout le monde, tu vois, ça se trouve, on peut avoir tous les coffres, gros. Je pense c'est bugué là, non? La map, comment ça, il y a un seul là ici. Là, on marche, et si on trouve une caverne naturelle, on va dedans, on la farm. Non, mais ce que je veux dire, c'est une caverne en dessous des moins 500. Parce pourquoi que sinon, bah, ça change quoi? Parce qu'on est enfermé, et que si jamais on a une urgence et qu'on doit sortir, on va être en extérieur de la map plutôt qu'en intérieur de la map. D'accord, j'ai pas fait de sens, je vous ai pas atteint. C'est pas grave. Oui, trouvons une caverne, creusons. Il y a de la lave, j'ai peur. À tout moment, je crève de brûlure là. T'as un seau d'eau si jamais. Je mets ma piste dans le seau. Y'a pas d'eau, frère. Si, t'as de l'eau déjà dedans. Ah, on a un seau d'eau. Eh, attends, il tape! Non, faut pas que tu tapes les poules! C'est quoi? Ouais, évite de taper les poules! Comment ça, c'est un canard? Depuis quand il y a des canards? C'est une poule, c'est une poule, il y a pas de canard! Mais attends, mais c'est. Ah, mais attends, c'est ma hache encore! Ah merde, ok, vu que c'est un nouveau texture pas. Mais non, pourquoi je le pêche à deux à l'heure? On est lent! Ah, on est lent! On est lent! Pose les torches toujours à droite. Oh putain, mais c'est les mêmes conseils que dans l'épisode 1 du UHC Zelda. Ah, on évolue pas, Dwag! On évolue pas! Waouh, c'est quoi ce truc? Les gars, je me fais attaquer par un zombie qui a un arc. Non, il m'a touché. Et n'oubliez pas, c'est moins 11 diamants. 54, ouais, frère, donc. On est en 54 là? Ouais. Les gars, je vous le dis, c'est pas notre game. Pas notre game pour. Mets une torche, toi, merde! Oh, une torche, putain, on y voit rien là! Mets une torche, bordel! Je suis obligé de les mettre moi-même, il branle rien lui. Oh mais j'ai pas besoin de... Je suis un débile. Tu peux faire automatiquement. Putain, t'as pas besoin de faire chauffer les trucs. Oh putain, on y est là. Quoi, j'ai un problème avec mon casque, frère. Là, y'avait de l'eau, ouais, j'étais là. C'est à gauche ou à droite, mon frère? Pourquoi j'entends des vaches? J'entends des gens crier là. C'est moi qui l'aime le charbon. Attention Henri, mon nom, doucement, regarde. Attends, je vais couper l'eau moi. Non, qu'est-ce qui se passe? Henri. Non. Henri. C'est le sol le plus pauvre hein, qu'on ait jamais trouvé en UHC Zelda. Ouais, non, c'est très honnête. Henri, écoute, je vais te mettre une fontaine d'eau et tu vas remonter, d'accord? Attends, on est en train de faire ça en ligne droite de manière méthodique en fait. C'est juste que c'est chiant et c'est long. Non, mais c'est surtout qu'on a zéro lac avec du charbon dans le sol. Oui, on peut faire ça. Mais on va attaquer. Tu avais dit que c'était une mauvaise idée. Non. Henri, il est mort d'un squelette. Alors, à cause d'un squelette, ce sont des choses qui arrivent. Il se dire qu'il spamme les temples. La vie de ma mère, c'est une mine de charbon. Il y a que de. Mais les gars, horrible. C'est incroyable. Pire game. Ouais, demi-tour. Moi, je propose, on sort et on se dirige. C'est sûr, après tout, combien de terre? Non, faut que ça paye. C'est comme au casino, les gars, faut s'acharner. Lâchez rien. J'ai respawn, mais. Attends, mais. Ah oui, là en bas, attends. Ok, on y va, on arrive. Non, vraiment pas. J'ai une caverne naturelle. Pareil, on est nous. Let's go, les gars. Venga. Hop, j'ai faim, un peu de cobble, bien sûr. Je fais du parcours, là où il y a de la lave, c'est très risqué, mais j'adore le risque. Que de l'espèce Goron t'a été attribué? Ouais. Il fait tout noir? C'est Henri. Mais Henri! Il essaye de manger sa cobble, il arrive. Ok, à l'attaque. What the fuck? Oh, il pousse dessus! Oh, elle est abusée, mon gros, what the fuck? Ah,
je suis choqué, frère. Parce que là, techniquement, si on fait tous une armure en fer et on fait juste table d'enchante et on enchante, on est quand même pas mal pour se défendre, non? On peut pas faire de table d'enchante parce que pour ça, il nous faudrait, dans l'ordre, de l'obsidienne, oui. Ce qui implique qu'on ait une pioche en diamant, ce qui implique qu'on ait 3 diamants. C'est ciao, c'est ciao. Oubliez les enchantes. Il y a des chevaux, mais il faut faire une selle. J'ai une selle. Jure, t'as un cheval, je te jure. Accepte. Qu'est-ce que tu leur fais, ouais, c'est chevaux. T'as juste pique droit, non? Allez les gars, battez-vous, on va l'avoir ce diamant. Hip hip hip. On est tous d'accord. Putain. Avec l'or, tu peux faire des pommes d'or, alors. Mais, est-ce que tu as une pomme? Bien sûr que non, Bob, puisqu'on est les tocards de cette game. Ça va vite, hein. Du diamant. Let's go, frérot. Combien? 5, 6, Let's go. Attends, parlez plus. Ok, j'ai deux mecs en face de moi qui vont au 500-500. J'ai pas Optifine, j'arrive pas à voir qui c'est. Attends, le chat me dit que c'est vous deux. Attends, retournez-vous. Ils sont pas enchantés, ils ont l'air d'être nuls. Du diamant. Voilà, voilà. Il y en avait qu'un. Ouais, mais en fait le coffre est en haut, donc en fait logiquement. Okay, ouais. Okay, c'est l'épée, j'ai l'épée. Jamon, gros, regardez, ouvrez vos yeux, bordel de merde. Non. Les gars, sinon on fait une offrande à Dwag. Genre on tue toute son équipe, après on met un coffre et on pose le stuff dedans, on le laisse s'équiper. Non, moi je veux trop que Dwag ait son moment avec son sourire en mode oh trop bien, je kiffe trop Minecraft. Je suis pas morte. J'ai pas eu de chance, j'ai creusé, il y avait la lave sous de l'eau. Regarde, je te vois, t'es au bout du tunnel. Wouh, je t'envoie de l'eau. Oh mais l'eau, qui a mis de l'eau? Oh non, t'es un chien. Go chercher les triforces, je te jure, ça va nous débooster. Je pense les items, c'est mort, y'a pas eu une triforce de trouver. Je vous ai, t'es à un bloc de courage. Prends, nous attend pas. C'est toi, Bifresh là? Ah non, il était rouge, je crois. C'est Gotha, voilà où, je sais pas qui, mais c'était la team à Gotha, je crois. Y'a un mec. Où ça? Bleu. Venez, on filme, c'est Bifresh. Revenez là. On fait quoi? On se bat du coup, non? On peut se battre, je vous jure, on peut se battre. Vas-y. M'a touché. Putain de merde. Hello. Je suis l'eau. Un mort. Oh, j'ai tapé Lucio, il a 13. J'ai galop les gars, je suis derrière toi, Coco. Ouais. Lucio, fais gaffe. Oh putain, comment il peut me rattraper? Il fallait pas rush, wesh. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, mon pote? GG les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, vous avez Triforce. Lucio, au-dessus de toi, Triforce. Il a la Master Sword. Attends, mais Mikalo, il est en killing spree. Gotha est mort aussi. Après, peut-être qu'un membre de sa team avait l'arc. Et Bob, j'ai cru t'entendre perdre de la vie, j'ai rêvé. Oui, j'ai glissé, chef. Prenez piaf. C'est bon, on a la boussole. Okay, ça, c'est une première fumer. Bonne. On va juste y aller et on va les slay. Voici le temple. Nous sommes à 50 mètres. Attends, y'a un joueur à gauche. Y'a des joueurs à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Team Gotha. Attends, y'a des mondes. Là-bas. Barrez-vous. Au secours! J'ai touché une fois. Il a 11 HP. Attends. J'ai pas de pompe, je vais mourir. Il te suit. Y'a pas derrière, Bob. Non! Qu'est-ce que c'est? Fonce. C'est pas Dwag. C'est pas toi que je veux. Il me suit, il arrive trop vite, cousin. Attends, tu vas aller droit sur lui. Oui, on a pas le choix. Go! Nique-le. Mort, 8-9 HP, putain. Barre-toi. On l'a fumé. On l'a fumé. Barre-toi, chien d'appant. On peut le win. Battez-vous. Il nous attire dans un guet-apens. Je m'occupe de l'archer. Non, tu vas te faire avoir. Qu'est-ce que t'as pris, gros? T'es où, Dwag? J'ai fui, frérot. Sale chien. Tu m'envoies au fond et tu fuis sans rien dire. Derrière toi, t'as un creeper. Un spawner de trucs là. Voilà. Il l'avait dit, Bob. La game n'est pas perdue. Ne perds pas espoir, Dwag. Tu peux le faire. Je vais creuser, hein. On va creuser là. Ils sont pas. Ça se trouve en face, ils sont pas forcément stuff non plus. Donc c'est forcément. Je suis dans le noir. Non, Henri. Hein? Personne t'a foutu dans le noir. Mais arrêtez! Mais je suis en dessous! Attends, parce que. Je vous ai mis de l'eau, mais. Attends, mais. Montre-nous le Dwagby resplendissant, celui qui est bon, qui est excellent, celui qui pack Ronaldo en plein The Event. Pars, ouais. Celui qui finit deuxième à Fall Guys. C'est vrai que. Le pavarès de merde, j'ai mort. Les gars, guidez-moi, ça va être moi dans la game. Non, on guide pas. Tu n'as pas ramassé le diamant. Tu n'as pas ramassé le diamant, ça par contre, frérot, fait un effort. Spoiler, vous spoilez, les gars. Oh, il y a des coffres. C'est pas les bons, Lucio. T'aimes pas lire, Mika? Attends, les livres, c'est fort les livres.
So that's my boy. Moi, je rebouche notre truc. Hein. Donc, là, que ça, faut que tu nous. J'ai trouvé une autre caverne. Venez. Vous avez des cavernes, vaut mieux creuser, non? Allez, c'est parti, go. Fuck. Je vois quelqu'un, je vois quelqu'un de. T'es où? Mais t'es où? Oh là là, vous êtes dans la merde! Viens, on sneak. Et alors, on sneaky. Hein. T'as compris quoi. Ils traquent l'équipe de Dejna. Donc là, on va avoir un fight. On va avoir le Sky et Nico. Ils les ont vus, ils sont accroupis. Oh, c'est incroyable! On assiste à un beau spectacle! J'ai récupéré la pomme. Tu t'étais sneak? Non, j'ai failli. Je sais pas pourquoi je chuchote. Mais ils vont bien les trouver, ils vont les trouver. Et en face, ils font rien, ils sont cachés là-bas, ils ne bougent pas. Ça va, Alexa? Est-ce qu'ils m'ont entendu? Oh, Samine! J'ai envie de me barrer par là. Ah là là! Laissez-nous tranquille! Mais que voilà! On dirait bien que les rats sont pris au piège! Oh, j'ai mis un coup. Ah, il a son arc, il a son arc, c'était sûr. Pourquoi t'as pris un coup? Ah, attends, quoi? Mais vas-y, go! Okay, c'est le fight! Putain, oh, il est trop chaud. Oh, il est trop chaud, il m'a fumé. Non, il a plus vie, il a plus de vie, il a 8. Vas-y, je le pousse dans la lave. Je l'ai poussé dans la lave. Oh, la Namla s'y m'a tué. Putain, on est morte aussi. Oh, vous avez tué Skyar, les gars. On a tué Skyar. Sky est mort d'une chute, messieurs dames. Il est tombé. Tu peux y aller, prépare-toi à fight, frérot. Prépare-toi à fight. Rappelle-toi, ce soir, tu n'es pas Doug. Ce soir, tu es Dwagby, le légendaire joueur de Fortnite, FIFA, Warzone. Ce joueur qui est capable de clutch comme personne d'autre. Il arrive. Il a fini tout ce qu'il avait à faire. Il a un cheval et tout. Il arrive, les gars. C'est top 2. Je peux pas le retenir. J'ai piqué l'arc. Ok, les gars, il arrive. À vous de jouer. Allez dedans, accroupissez-vous. Mais non, mais il y a de l'armure. Remettez l'armure. Qui a pris l'armure? Merde. C'est pas moi. Ah merde, c'est moi. Remets-la! Dépêche-toi! Mais pourquoi il y a un cop là? Je sais pas ce qu'il y a, ils ont pas dit dans le doc. Louis m'a dit que c'était une nouveauté de la map. Y'a personne, marche pas sur les plaques, hein, fais pas le con. Vas-y, loot! C'est que des rubis. Oh, get them, motherfucker! Oh my god, y'a un Mika qui m'a sauté dessus là! Oh là là! Joyeux anniversaire! J'ai eu le temps de prendre une armure et j'ai fui, j'ai eu peur. Oh putain, Wag. Là, vas-y. Mais gros, c'est trop bien. T'es invincible. Oula. Ton cheval. T'as 13 HP. Oh, il a pas vu venir celle-là. Tu m'as pris pour un débutant ou quoi? Il a cru que j'allais le suivre. Non, je peux plus battre. Tu peux pas la laisser s'échapper, tu peux pas. Let's go. J'ai peur, ça fait super fort. Y'a Mika là, Mika qui tryhard. Il va ruiner mon anniversaire. Il vient même pas à la fête. Oh, headshot! J'ai un HP! Fais genre tu tires à côté, mais fais genre tu fais pas exprès quoi. Mec, pour son ego, l'anniversaire. Oh là là, Doug, trop fort. Let's go! GG! Allez, les bonnes artistes!